pape, s'appuyant sur l'évangile de la résurrection, nous a exhorté, disons, sur trois sources de paix. Hein. D'abord, il a montré que la paix est annoncée à Bethléem, hein, le jour de la naissance de Jésus. Cette paix a été donnée après sa résurrection. Hein. Et il a indiqué trois sources de paix. Hein. La première source, c'est les plaies. Hein. Jésus montre les plaies aux disciples. Et le pape a dit des choses intéressantes par rapport à ça. Hein. Il faudrait faire de nos souffrances, de nos misères, une source de partage. Hein. Habiter la fragilité. Hein. Mais sans rancœur, hein, sans faire comme si de rien n'était, hein, mais habiter la fragilité pour accorder le pardon. Hein, donc c'était la première chose. Hein, donc les plaies, donc le pardon, hein, le pardon et la mission, hein, les trois sources de paix. Donc je crois que le message est très fort par rapport au thème de la réconciliation, thème sur lequel a été placée sa visite ici. Voilà, donc je peux brièvement dire que donc la mission aussi, hein, la mission c'est une mission de réconciliation. Tous nous sommes appelés là où nous sommes, hein, à être missionnaires de la paix, hein, missionnaires de la paix que nous avons reçu en don. C'est pas nous qui créons la paix, nous l'avons reçu en don et on doit apporter la paix aux autres. Voilà, c'est pour nous d'abord une grande joie parce qu'il avait promis d'être là l'année passée. Il n'est pas venu pour des raisons de santé. Finalement, il est arrivé. Donc, c'est une grande joie. Vous avez vu vous-même, depuis l'accueil à l'aéroport jusqu'aujourd'hui, quelle foule, quelle joie dans le peuple de Dieu, dans le peuple du Congo, le peuple de Kinshasa. C'est vraiment une grande joie parce qu'il nous amène le message de la réconciliation. Un beau message en ces temps où notre pays traverse des moments difficiles à l'Est, en ces temps où nous nous préparons pour les élections de 2023, nous avons besoin d'être réconciliés, mais vraiment Jésus-Christ. Alors sa présence pour nous c'est un grand réconfort. Pour nous les chrétiens catholiques, je lis un peu sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de commentaires de la part de beaucoup de personnes qui sont dans la joie. C'est vraiment un réconfort. Et vu son âge d'ailleurs, hein, et vu sa maladie, il a tenu à venir, c'est une joie pour nous. Nous ne pouvons que prier pour lui parce que lui aussi prie vraiment pour notre pays. Écoutez, moi je viens de Goma. Goma, vous savez très bien que c'est quelque chose, c'est une ville qui fait souvent problème dans le sens qu'il est convoité par beaucoup et c'est ça qui fait notre malheur. Aujourd'hui, nous sommes en état de guerre à Goma. Et donc, moi, ma vision des choses, c'est que le pape qui a insisté beaucoup sur la paix, eh bien, c'est ça qui m'a frappé et j'ai tout de suite transposé cette homélie sur ma situation. Nous avons besoin de paix, de paix, de paix. Et donc, j'étais très content d'entendre Saint-Père prier pour cela et j'espère que son homélie et ses paroles vont porter des fruits dans le sens que les gens vont changer un peu leur cœur, se convertir pour chercher la paix. Donc pour moi, j'ai apprécié cela parce que je viens de Goma, où nous vivons une situation de guerre, une situation de violence où les gens meurent, les gens sont déplacés, les enfants, les vieillards, il pleut, ils ne sont pas assistés. Et donc, moi, j'espère que ce message du Saint-Père va porter à beaucoup de fruits. C'est justement le nom intégralité. Pardon ? Le nom complet. Mon nom, c'est Monseigneur Théophile Kaboy, ancien évêque de Goma. Bah, l'homélie de sa sainteté, le pape, tombe vraiment à point nommé parce que nous avons célébré la messe pour la paix. Et l'évangile d'aujourd'hui parle de la paix que le Christ donne. Et donc ça coïncide bien avec la personne du pape et sa mission. Et comme pèlerin, il vient dans notre pays pour annoncer la paix, pour nous inviter à la réconciliation. Et donc
son homélie est allée vraiment dans ce sens-là, où il nous a demandé d'ouvrir nos cœurs pour accueillir la paix. Et cette paix qui vient du Christ, c'est la véritable paix que nous allons nous transmettre les uns aux autres. L'homélie a été très réconfortante. Le pape a très bien parlé. Son homélie a été applaudie. Nous espérons vraiment que sa visite dans notre pays paie des réconciliations, spécialement en cette année qui est une année élective. Ouais. Excellence, justement, votre nom complet, ça va nous aider dans les caches. Mon nom, c'est Félicien Tamboué. Je suis évêque de Cabinda et depuis peu administrateur apostolique de l'archidiocèse de Kananga. Non, certainement, c'est un événement qui nous a apporté beaucoup de joie. Non, tout simplement à l'Église catholique, mais également à la République démocratique du Congo, de recevoir le succès de Saint-Pierre, étant donné que depuis l'année dernière, il avait programmé de pouvoir venir, et vu son état de santé tel que nous le savons, il n'a pas pu donc accomplir sa mission. Mais ça lui tenait toujours à cœur, et à chaque événement, il y revenait. Et Dieu nous a fait grâce, c'est qu'il est là. Donc nous sommes très contents et nous croyons vraiment qu'avec sa présence, il nous apporte beaucoup de grâce pour un nouveau départ dans nos différentes structures, mais au sein de notre Église catholique universelle également.